Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 10 mai. La Bible nous dit en Amos chapitre 3, verset 3, dans la version Bible du Semeur, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est Soyez d'accord sans changer d'avis par la suite. J'ai un témoignage assez long ici. Et j'aimerais le faire en plusieurs parties pour qu'on comprenne un petit peu la portée de ce qui est mis là. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? En 1949, j'animais une réunion au Texas, dans une église des Assemblées de Dieu. C'était presque Noël et j'avais besoin d'argent supplémentaire pour les cadeaux. J'écrivis à ma femme: dimanche à 3h de l'après-midi, ouvre ta Bible là au Texas où tu es, dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Et je ferai de même ici où je suis. Nous nous mettrons d'accord pour déclarer que l'offrande sera de tel montant précis dimanche soir. Car on peut s'accorder avec quelqu'un dans l'esprit, même si l'on n'est pas avec la personne physiquement. Je prêchais ce dernier dimanche soir avant Noël à cause du tourbillon d'activités de Noël. Le service d'ordre oublia de compter l'offrande. Le pasteur trouva l'offrande et l'apporta au presbytère. En versant l'argent sur la table de la salle à manger, il suggéra « comptons-la ». Il compta la moitié et moi l'autre moitié. Il écrivit son montant et moi le mien. Il manquait 23 $ et 12 cents. Il était désolé. J'espérais qu'il y aurait autant que par le passé. Puisque c'est bientôt Noël, je suis navré. Ne vous inquiétez pas, le rassurai-je. Ma femme et moi, nous nous sommes mis d'accord. Cela aurait été facile de dire, nous avons fait une erreur. Mais ma femme et moi, nous nous étions mis d'accord. Je savais qu'on s'était mis d'accord. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même était apparu pour dire « Le problème, c'est que vous ne vous êtes pas mis d'accord », j'aurais pu lui dire « Seigneur, tu as tort. Nous nous sommes mis d'accord. » Il y a des choses, mon frère, ma sœur, que toi et moi, comme cet homme, nous pourrons dire « Oui, mais c'était pour des cadeaux de Noël, c'était pour des choses futiles, des choses banales. » Certains auraient pu dire « Ah, c'est là qu'on voit que il ne faut pas fêter Noël, comme certains me le disent dans nos milieux évangéliques. » Et vous voyez, nous avons tous ces raisonnements religieux qui sont faux. Oui, qui sont faux. La Bible nous donne cette certitude. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amos avait dit, deux marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Et Jésus vient confirmer cette parole dans le Nouveau Testament en disant que si deux ou trois se mettent d'accord sur une chose, c'est fait. Il l'a accordé. Alors mon frère, ma sœur, nous ne savons ce que tu vis, mon frère, ma sœur. Et nous voulons nous mettre d'accord avec toi. Dans les commentaires, mets ton problème. Nous lirons ton problème, mon frère, ma sœur. Et nous nous mettrons d'accord avec toi, mon frère, ma sœur. Inutile de nous dire, est-ce qu'on peut te téléphoner? Parce que alors là, nous n'arriverons pas, mon frère, ma sœur. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse, mon frère, ma sœur. Je regardais l'autre jour le nombre d'abonnés que Karine a. Je regarde le nombre de vues que Karine a sur ses pensées quotidiennes, mon frère, ma sœur. Et je regarde le nombre de pouces qui est mis vers le haut, mon frère, ma sœur. Et je vois qu'il y a une grande discordance. Il n'y a rien qui est en accord. Et je voudrais que, mon frère, ma sœur, il est important. Il est important non seulement pour nous, mais pour toi, mais pour nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'entendre cette parole. Il est important que tu mettes un pouce vers le haut, mon frère, ma sœur. Comme quoi tu as aimé. Parce que YouTube va mettre cette émission en premier lieu. Et d'autres frères, d'autres sœurs pourront participer à recevoir leur bénédiction.
Toi, en ne mettant pas ce pouce vers le haut, mon frère, ma soeur, en ne t'abonnant pas même à la chaîne de Karine, mon frère, ma soeur, tu pourrais perdre quelques bénédictions, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose qui ne te coûte rien. Nous ne demandons pas d'argent, mon frère, ma soeur. Juste s'abonner, mettre un pouce vers le haut et partager avec vos frères et vos soeurs. Commenter, comme ici je le disais, mettons-nous d'accord. Nous sommes là, nous avons été créés, mon frère, ma soeur, pour que tu jouisses des promesses que Dieu t'a faites, mon frère, ma soeur. Ce sont des principes bibliques, ce sont des lois spirituelles, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut que tu jouisses de la vie, mon frère, ma soeur. Mais tu as aussi ta part à faire, comme nous, nous avons notre part à faire. Chaque matin, tu nous invites chez toi. Nous prenons notre petit déjeuner, mon épouse et moi, assis à ta table. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous nous accordons les uns avec les autres. Et que l'Éternel, mon frère, ma sœur, t'accorde tout ce que ton cœur désire. Nous prions l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Papa. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Je suis l'Éternel qui fait bien au-delà de tout ce que tu penses ou imagines. C'est le Dieu-là que nous servons. C'est le Dieu-là, mon frère, ma sœur. Et nous sommes là en train de s'accorder avec toi afin que Dieu te donne au-delà de ce que tu penses ou imagines, mon frère, ma sœur. Oui, que tu aies au-delà de ce que tu penses ou imagines. Au nom puissant de Jésus, je laisse la prophétesse Karine prophétiser sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons faire encore cette bonne déclaration en disant, lorsque je me mets d'accord avec quelqu'un, me confiant à la parole de Dieu, je ne change pas d'avis. Je ne change pas d'avis inlassablement. Je tiens ferme sur la parole de Dieu, croyant à la vérité de ce que Dieu a déclaré pour ma vie. Alors, comme le pasteur le disait encore aujourd'hui, nous ne savons pas ce que tu vis, mon frère, ma sœur. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas avec toi et nous ne te côtoyons pas pour savoir ce que tu vis, par quoi tu passes. Mais nous savons une chose, c'est que le Dieu que nous servons n'a aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Nous pouvons être, nous, ici, en Belgique, et intercéder pour toi, pour ton problème. Et toi, tu pourras recevoir ce que Dieu a décidé de te donner. Là où tu te trouves, tu le recevras. Parce que nous nous sommes accordés dans l'esprit pour une même chose, pour un même problème. Nous allons lire tous vos témoignages, toutes vos demandes que vous allez nous laisser. Et nous prierons en accord, mon mari et moi, pour que vous puissiez recevoir vos bénédictions. Et vous les recevrez, mes bien-aimés, vous les recevrez. Amen. Parce que nous savons que notre Dieu entend les prières qui montent devant le trône de sa grâce. Jésus a dit, « Je te prie pour Lazare, afin qu'il ressuscite. Moi, je sais, en ce qui me concerne, je sais que tu m'exauces toujours. » Et c'est ce que nous voulons déclarer aussi. Nous savons que nous avons un Dieu qui exauce toujours, toujours nos prières. Il souhaite nous délivrer de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous enchaîne ici-bas. Il veut nous donner une vie de liberté, une vie de joie, une vie de paix, d'abondante paix. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je crois qu'est le jour où nous nous accordons avec toi et que tu reçoives cette bénédiction que tu attends. Oui, tu la recevras. Au nom de Jésus-Christ, je te le déclare, tu recevras. Cette bénédiction que tu attends depuis longtemps, ce projet qui semble bloqué, eh bien Dieu va t'ouvrir les portes. Oui. Il va ouvrir les portes devant tes pas, il va te donner une opportunité et tu reconnaîtras, tu sauras que cette opportunité vient de l'Éternel. Elle t'ouvrira
un chemin que tu n'avais pas pensé qui puisse s'ouvrir sous tes pas. Mon frère, ma sœur, reste à l'écoute de l'Éternel, car tu entendras sa voix derrière toi qui te dit « Voici le chemin que tu dois emprunter ». Alors, obéis à ce que l'Éternel te dit et tu recevras ta bénédiction. L'Éternel ouvrira son ciel, le bon trésor, pour te donner la bénédiction que tu attends. Mon frère, ma sœur, à Dieu rien n'est impossible. À Dieu rien n'est impossible. Cet examen qui semble mauvais à premier abord, Dieu va le transformer pour la gloire de son nom, afin que son nom soit élevé, afin que son nom soit glorifié. Tu témoigneras que seul l'Éternel pouvait faire ce grand miracle. Tous avaient déclaré que c'était la fin pour toi, mais l'Éternel n'avait pas encore dit son dernier mot. Maintenant, il te dit, cette maladie que tu portes, cette maladie ne te mènera pas à la mort. Tu témoigneras et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tu pensais que tu finirais ta vie seule, mais l'Éternel a trouvé bon de te mettre quelqu'un à tes côtés. Tu sauras que cette personne est celle qu'il a pourvue pour toi, parce que tu lui avais demandé un signe et ce signe s'accomplira. Et là, tu sauras que c'est la bonne personne qui vient de la part de l'Éternel et qui t'accompagnera pour le reste de ta vie. Accorde-toi avec lui. Accorde-toi avec lui. Et tu recevras d'abondantes bénédictions de la part de l'Éternel. Obéis à chaque parole qu'il te donne par son esprit, et tu verras que les portes vont s'ouvrir devant tes pas. Tu seras béni au-delà de toute bénédiction, car l'Éternel n'est pas sur le point de t'abandonner. Oh non, mon frère, ma sœur! Tu avais certainement ces pensées qui montaient dans ton cœur en pensant que l'Éternel t'avait abandonné. Mais pendant un instant, il a juste détourné son regard. Mais maintenant, il te dit que tu seras béni. Tu seras béni. Tout projet que l'ennemi avait projeté pour ta vie sera détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui tiendra sur ton chemin. Là où une pierre avait été posée devant toi pour te faire chuter, l'Éternel l'enlèvera et tu passeras sans difficulté de l'autre côté. Le miracle est sur le point d'arriver dans ta vie, mon frère, ma sœur. Crois-le et tu le recevras. Tu vas être un grand témoin pour ta génération. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Soyez bénis, mes bien-aimés, que la grâce et la paix vous accompagnent encore tout au long de cette journée. Et je vous donne rendez-vous demain.